Allez, il nous reste un dernier siman dans ce tome sur le Birkat. Birkat Amazon, la peau Alim. Une halakha qui est aujourd'hui un peu... qui est plus utilisée, mais en tout cas, il faut la connaître. Birkat Amazon, la peau Alim. On nous dit « Badorot akanmonim, shayaderech haolam leakpid ala peau Alim, shelo yitbatelu mimelarta mafilu shaakala. » On sait qu'à l'époque, les employés qu'on pouvait avoir étaient en fait des... comment on appelle ça? Des salariés... Des journaliers qu'on payait à l'heure, carrément, d'accord, ou à la journée. Et ceux qui embauchaient ces personnes-là ne voulaient pas, quand ils payaient une journée, ils ne voulaient pas qu'ils perdent du temps. D'accord. Et ils disaient, je te paye pour une journée, pour tant d'heures, je veux que tu travailles toutes les heures où je t'ai embauché. D'accord. Je ne veux pas que tu perdes ton temps. Et alors Tiknu, Chachamim, Nusar, Mekutsar, les Birkat Amazon à Poalim. Et du coup, pour ces employés-là, ces journaliers, les Chachamim ont instauré un Birkat Amazon différent de celui de tout le monde. Pourquoi? Pour que ce Birkat Amazon soit plus court que le normal et qu'ils ne perdent pas trop de temps à faire le Birkat Amazon par rapport à leur employeur qui ne veut pas les laisser perdre du temps. C'est-à-dire qu'ils mangeaient en travaillant? Et on raconte dans la Gemara. Il y en a qui mangeaient quand ils étaient encore accrochés aux arbres pour qui faisaient les récoltes, d'accord. Ils mangeaient là-haut et on pose la question, est-ce qu'ils peuvent faire la tfila quand ils sont accrochés à un arbre ou est-ce qu'ils peuvent faire le Birkat Amazon comme ça, d'accord. Donc, dans ces cas-là, là ici le sujet c'est le Birkat Amazon. Ça prend quand même un peu de temps. Ça prend quoi, 5-10 minutes si tu veux le faire lentement, correctement. Donc, si ton employeur ne veut même pas que tu perdes ces 5-10 minutes, alors comment tu fais? D'accord, sinon ça s'appelle du vol. Tu voles ton employeur, il t'a payé pour un certain nombre d'heures avec toutes les minutes qui composent toutes les heures. Et si tu fais ton Birkat Amazon, tu vas perdre du temps. Donc les Chachamim, ils ont été conscients de ça. Et ils ont créé un Birkat Amazon raccourci pour les employés. Les employés qui, à l'époque, donc, ne devaient pas perdre du temps à faire leur birkat. « Oulam, bismanenu, kol adam Israël, asocher po'alim oseken, al da'at sheitpalelu vivarichu kishar kol adam. » Qu'en est-il aujourd'hui? On dit qu'aujourd'hui, cette halakha ne s'applique plus. Cette halakha ne s'applique plus, pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, on n'est plus aussi makpid, on n'est plus aussi rigoureux qu'il pouvait l'être à l'époque sur le temps de travail de nos employés. D'accord, c'est clair qu'aujourd'hui, quand tu es un employé, alors c'est déjà rare d'en avoir un journalier, mais bon, ça peut arriver. D'accord, mais c'est clair que tu n'es pas à la minute près. Tu lui dis pas, je t'interdis de perdre une minute ou de perdre cinq minutes du temps de ta journée. D'accord, d'autant plus qu'on sait pertinemment le temps qui est perdu par les employés. J'ai connu, moi, mon père, il y avait des employés musulmans. Il s'arrêtait en plein boulot pour aller faire une prière. Imaginez un peu. À l'époque, déjà. Bien sûr. Incroyable. Donc, alors, est-ce que... C'est quoi, des joints? Khazak? Alors, ben oui, mais tu peux poser la même question pour nous. Ouais. D'accord, il t'a employé. Toi, tu es en plein milieu de la journée. Hop, tu dis, ah, mincha, j'arrête. Ouais. D'accord, on pourrait absolument se poser la même question. Oui. D'accord, ou bien tu fais ton birkat Amazon pendant 5 minutes, tout le monde a repris le boulot, d'accord, et toi, tu es encore en train de faire ton birkat. Eh bien, là, on nous dit qu'à notre époque... où justement on n'est plus aussi rigoureux sur le temps de nos employés, d'accord, et qu'on n'est pas à 5 minutes près, parce que de toute façon ils perdent bien plus de temps que cela, eh bien on nous dit qu'aujourd'hui quand un employeur vient payer un employé, il le fait al da'at sheit palelu. Il le fait avec la condition de laisser le temps à ses employés de faire la tfila et de faire leur Birkat Amazon complet. Donc de ne pas utiliser le Birkat Amazon abrégé qui a été créé par les Chachamim pour eux, d'accord, mais ça y est, aujourd'hui on te laisse quoi, le temps nécessaire pour faire tes tfilotes. Velachen en apoalim rachaim bismanenu les quatre servent nous sur Birkat Amazon. C'est pour ça que même si le Birkat Amazon en question il existe, aujourd'hui, on ne peut plus l'utiliser. Les employés ne peuvent plus l'utiliser. Ah non, ouais. Raccourci. C'est quoi? C'est raccourci. C'est quoi? C'est trois lignes. Je ne sais pas s'il y est dans le patard. Oui, je crois que dans les nouveaux patards. La quatrième, c'est clair. Mais il y est dans le patard. Dans les nouveaux patards. Je crois pas. Hein. Moi, je l'ai pas vu. Voilà, ça c'est un dernier. Pour débutants, c'est quoi le birkat pour les débutants? C'est juste un condensé en fait. Regardez dans le sommaire.
Non, ça a été rajouté vraiment. Dans les dernières éditions. Voilà. Birkat Amazon abrégé. Ah, est-ce que c'est des poilim, c'est là? Les actes. Ok. Birkat Amazon intactible. Birkat Amazon abrégé convient seulement aux personnes qui ne savent. Ah non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. Parce que là, il regarde ce qu'il dit. Birkat Amazon abrégé convient seulement aux personnes qui ne savent pas lire ces actions de grâce en hébreu. D'accord. Donc c'est pas de ça dont on parle. Nous ici, des gens, ils savent lire, etc. Ouais. Mais ils sont employés, ça veut dire que leur temps est compté. Leur temps est compté et on veut pas qu'ils perdent du temps. C'est un condensé de chaque bracha. Il y a deux lignes pour chaque bracha. Ah, vous l'avez là. Ah, Chazak. Comment ils l'ont appelé? Abrégé pour débutants. Je sais pas si. Ah, abrégé pour débutants. Ah oui, non. C'est pas le. Birkat Amazon abrégé pour débutants. Moi, ce que je me demandais, c'est que pour celui des poilim, c'était juste la quatrième qui sautait. En fait, ils étaient pas avec les lignes, sauf la quatrième qui l'a fait pas. Alors on va le voir, il va le dire, mais c'est, a priori c'est pas celui-là non plus. A priori c'est pas celui-là non plus, mais ça c'est pas mal du coup, parce que t'as un résumé des quatre. C'est un employé débutant. C'est celui des stagiaires en fait. Ah oui, celui-là c'est pas mal ça. Un résumé des. C'est un résumé des quatre brachot. Ah ouais, d'accord. Avec un petit truc pour Shabbat et tout, d'accord, t'as un petit résumé pour débutant quoi, celui qui saurait pas s'en sortir. Ah mais celui-là c'est encore. Mieux ou pire, je sais pas dans quel sens le présenter. D'accord, on dit finalement tu as une phrase. Une phrase. Qui est même pas en hébreu, c'est en araméen. Qui est même pas en hébreu. D'accord, tu dis Beri Chachamana Elana Malkade Alma, Mare de Haipita, Beri Chachamana Dizan de Chola. Là au moins, t'as même pas. Enfin, c'est résumé. Hein. D'accord, c'est quoi la phrase? C'est bah, béni soit Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, de Haipita, qui est le maître de ce pain-là. Le maître du pain que j'ai mangé, Beri Chavana des Anerkola, béni soit Akash Baoukou, qui nourrit le monde entier. Ah, c'est vraiment un résumé du résumé. C'est résumé. Mais en araméen, hein, parce que c'est intéressant. D'accord. Pourquoi parce que c'était le langage qui était, utilisé, il parle en araméen. Et il nous dit, par ailleurs, les femmes qui ne peuvent pas, en cas de force majeure, réciter entièrement le Birkat Amazon, peuvent réciter seulement, alors non, il dit comme ça, peuvent réciter les quatre brachot et s'arrêter avant le Harachaman. D'accord. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc tu as celui des débutants, tu as celui-là qui est vraiment, on va dire, niveau 1, quoi. Et puis tu as celui des femmes où on te dirait, si vraiment tu es pris avec les enfants et que tu as les enfants partout, etc., allez, tu peux faire les quatre et arrêter avant le Harachaman. Avant tous les Harachaman, hop, tu gagnes du temps. Même pas avec le dernier paragraphe qui se termine par Osé Shalom. Et, tu peux rajouter aussi Shalom, ouais. Mais t'es pas obligé de faire tous les Harachaman. Vous avez un kadish, vous allez avoir des kadish là-bas si vous avez besoin. En plus, vous avez la tila en même temps. Razak. Donc, en tout cas, il nous dit quoi? Utrichim levarer kol abrachot kishar kol adam veomrim gam arachaman atzof birkat amazon. Donc, en quoi il est plus court? En fait, il est pas. Ça c'est le complet, ça c'est celui qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui où t'as plus le Birkat Amazon, t'as plus la raison pardon de faire pour les employés, en fait tu fais ton Birkat Amazon normal. D'accord. Donc aujourd'hui cette solution du Birkat Amazon abrégé pour les employés ne marche plus. Où est-ce que tu l'as? Ah voilà. Alors regardez comment il se composait ce Birkat Amazon des employés. On pourrait utiliser le abrégé par exemple si un jour on n'a pas le temps. On pourrait le faire ou non? Ce serait permis ou pas de le faire? Non, je te demande, c'est une question que je te demande. Le pas le temps. D'accord, le pas le temps. Ouais. D'accord, il est en réalité. Bah ouais, non. Parce que on dit toujours, ouais, j'ai pas le temps, je suis pressé, mais en réalité, on a le temps. C'est-à-dire, on le perd de manière énorme. D'accord, même des fois, t'as des gens qui partent vite avant la fin de la tefila. Tu les vois ici, là, ils se dépêchent. Ouais. Et tu vas les voir discuter dans le hall 5 minutes avant de parler, avant de rentrer chez eux. Ouais. D'accord, c'est-à-dire le pas le temps, ça dépend comment tu gères ton temps, mais tu peux trouver 3 minutes pour faire ton Birkat Amazon. Non, mais pour le Birkat Amazon, c'est un peu particulier. Ça veut dire que le gars. Si tu sais pas, celui-là. Non, c'est pas ça. Il mange, il est très pressé, mange, et il a effectivement 3. Il peut pas faire le Birkat Amazon une fois qu'il est sorti des locaux, qu'il est rentré à son travail, à la limite, une fois qu'il est assis à son bureau, il peut. Bon, alors, à la limite, fait un truc abrégé de 4 brachot. La réponse, c'est qu'on donne le choix de pouvoir choisir. Non, pas du tout.
maintenant, non. Tu vas faire ton Birkat Amazon, point. On ne nous donnerait pas de rejeter. Tu dois gérer ton temps pour intégrer le Birkat Amazon. Ah d'accord, parce qu'on ne pourrait pas dire, bon allez, je vais faire le... C'est ça, ou aujourd'hui je vais faire le celui du patard. Non, mais d'accord, je fais juste... Deux choix, alors autant choisir. Ah non, justement, ce n'est pas un choix, un choix qui dépend de ton planning privé, ouais. Quoi. Ah, tu dois faire ton Birkat Amazon, puisqu'il nous dit ici que même les employés, ils doivent faire leur Birkat Amazon aujourd'hui. Alors à quoi il ressemblait quand même, juste pour savoir, à quoi ressemblait ce Birkat Amazon abrégé? Bracha Rishona Kitikna. Donc la première bracha, elle était complète. Shnia Poteyar Ve Birkata Aretz Ve Kolelba Bone Yerushalayim Ve Chotem Birkata Aretz Ve En Omrim Birkata Tov Ve Ametiv Klal. Donc on ne fait pas du tout à Tov Ve Ametiv. D'accord, donc qu'est-ce qu'on a? On gagne la fin finalement. D'accord, parce que le... Ouais, tu gagnes la... Après, on fait les Rahman après ou pas? Non. En Omrim Birkat Atov Ametiv Klal. Ouais, donc on arrête tout. On arrête tout. Donc la quatrième, elle saute complètement. Mais concrètement, la première, bon, allez, tu as les premières complètes. On a resté dans le Minatora. Donc t'as rien, ouais, c'est ça. On a enlevé tout le Midrabanan. C'est ça, t'enlèves le Midrabanan, c'était sûr. Ouais. D'accord, donc c'était pas non plus, on n'a pas non plus complètement déraciné le Birkat, quoi. D'accord, donc la première complète. La première complète. Complète, ça, là, c'est, tu la gardes. D'accord. Ensuite, Birkata Aretz. C'est la deuxième, ça. C'est nos délégats, c'est la deuxième. Ouais, très bien. Ouais. D'accord, c'est, vous voyez dans la marche, Birkata Aretz. Voilà. Donc celle-là. Kolelba, Bonne Yerushalayim, Bechotem, Birkata Aretz. Donc concrètement, t'enlèves rien dans la deuxième. Qu'est-ce que t'enlèves dans la deuxième? Ve'en Omri, Birkata Tov Ametiv. Et tu dis pas du tout à Tov Ametiv. Donc tu fais dans Kol et Bechotem Bevirkata Aretz. Mais comment tu fais pour Bechotem? Faites voir. Parce que c'est bizarre, regardez ce qu'il dit. Il dit, tu fais Birkata Aretz, donc c'est la deuxième. Birkata, allez, Birkata Aretz. D'accord. Dans lequel tu intercales Bonne Yerushalayim. Donc la troisième. Donc la troisième. Mais tu conclus Birkata Aretz. Bizarre. Donc tu dis Veti Nerushalim Rabbi Rabbi Amenu, Bauchata Hashem. Je dis c'est pas. À la reste vers l'Amazon, c'est ça? Et du coup la troisième elle est où alors? Tu fais pas là, tu n'as pas là. On considère que Yerushalim c'est dans la terre des restes. C'est ça, Yerushalim c'est dans la terre des restes, donc tu peux inclure les deux. Voilà. Donc ils font une fusion des deux. C'est ça. C'est ça. Et tu conclus et tu reviens en arrière pour faire la bracha? Non, à mon avis ça doit être fusionné. Et oui, mais la bracha. Ah, vous dites Bonne Yerushalayim, à la Aretz, vers l'Amazon. Comme quand on a un jour de fête avec chaque. Bonne Yerushalayim, à la Aretz, vers l'Amazon, ouais. Quelque chose comme ça. Et pas du tout de quatrième. Et tu t'arrêtes comme ça. D'accord? Ça fait bizarre. C'est certaines personnes avec pizza, ils demandent si c'est Metzola ou Motsi. Ah, dis non, parce que Motsi, j'ai pas le temps. Tu crois que t'as pas le temps? Les bonnes brochettes de Birkat Amazon. Ah, voilà, vous voyez, donc vous le dites vous-même. Comment ça, t'as pas le temps? Fais-moi une pizza. T'as toujours le temps. En fait, c'est uniquement de la paresse. Ah, c'est clair, parce que de toute façon, le temps que tu perds à table. Aujourd'hui, à notre époque, quoi. De toute façon, le temps que tu perds à table avant de commencer dans du Birkat, etc. C'est sûr que tu peux. J'arrive parfois à les convaincre, mais parfois il y en a ici, c'est sûr. Alors, juste pour terminer, va filou imit nabalaba itimapoa limiteri la bécha chisram chez Kitsaru Birkat Amazon, et nam rajaim nishmoa bekolo, chez Mikevan, chez Minagaolam, chez Loleak, pidala poa lim, chez Palelou, vivarichu kera ui betorzbana avodatam, nershavadavar, ke kabalou, ke kiblou alehem, kulam la chova, le varichal Birkat Amazon beli le katser, venayachi yachol et otsi atbo minakla. Donc on a dit, à l'époque, effectivement, il servait ce Birkat Amazon des professionnels. Maintenant, si tu n'es pas un employé, à notre époque, où on n'est plus tellement MacPid, ça va quoi, c'est admis qu'on doit faire le Birkat Amazon complet, et il nous dit, et si ton employeur, il vient, il te dit, au moment où il t'embauche, il te dit, je t'embauche à condition que tu fasses un Birkat Amazon abrégé et que tu ne me voles pas 2 minutes supplémentaires pour faire ton Birkat Amazon, eh bien l'Alakha nous dit, tu ne l'écouteras pas. Ah oui. Ouais. C'est un cas où on a le droit de ne pas l'écouter parce qu'on considère que c'est admis maintenant que le Birkat Amazon il est intégré dans ton temps de repas et que ça s'appelle pas voler son propriétaire et que toi en tant qu'individu tu ne dois pas t'exclure du Birkat Amazon Ashkenaz il est plus court que le... Non, il est plus court ou pas? Ah, c'est pareil. Non, parce que tu pourrais choisir. Tu dois faire. Séparer, non, parce que vous voyez ça comme étant une. T'as plein de possibilités, tu choisis celui qui t'arrange. En fait, c'est pas. C'est... Non, mais. Laquelle ou ça, après, c'est dit?
Ah, mais Kutseret, d'accord. Mais a priori, enfin, tu dois faire le CV de Birkat HaMishkan de Sepharad, quoi. C'est ça, non. Sauf si, voilà, tu as des trucs pour chanter, quoi que ça chante aussi, mais sinon, tu fais ton Birkat HaMishkan classique. Non, mais... Par contre, il y a des gens qui lisent le Birkat HaMishkan en une fraction de seconde. C'est vrai. Moi, je vois par exemple. Mais il y en a qui font la Amida plus vite que le Birkat HaMishkan. Le Shabbat de Saïd Hachlichi. Je comprends pas encore comment ils arrivent à le faire. Donc, non, parce qu'ils font celui-là. Ils font celui-là. Je sais pas. C'est la fin de Shabbat, ils font celui-là. Allez, à demain. Même si tu dois partir en voyage.